Salut à tous et bienvenue dans ce tuto concernant Camtasia Studio. Donc, je vais vous montrer comment faire un rendu HD, une vidéo HD. Je vais vous montrer aussi comment incorporer une petite introduction, mettre de la musique, enfin jouer avec les bandes son, etc. C'est une vidéo vraiment de débutant, très basique. Alors, je vais faire un nouveau projet. Ouais, je vais faire un nouveau projet. Voilà. Je vais importer le tuto que je viens de faire en fait. Ça fait 2 en 1. Je vais l'introduire. Ici, je vais mettre YouTube et HD. 1280-720p. Conserver les proportions. OK. Alors voilà, donc là, j'ai le tuto. Maintenant, je vais mettre mon introduction. Donc, l'introduction est déjà faite. Voilà. Alors, vous voyez, ça a décalé la bande son en même temps que la bande son, donc ma voix en même temps que la vidéo. Mais ça n'a pas décalé le son système. Bon, là, le son système ne sert à rien parce qu'il n'y a aucun bruit. Il peut être utile s'il y a une musique ou voilà. Ensuite, vous allez dans produire et partager, donc une fois que tout est fini. Donc, vous pouvez toujours mettre des transitions, voilà. Vous pouvez mettre sous-titres, zoom, c'est pour tout simplement zoomer. Vous voyez. Alors, moi, je vais supprimer mon zoom. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre montage vidéo, vous cliquez sur produire et partager. Donc ici, moi j'ai déjà modifié HD, mais sinon vous prenez celui que vous voulez. Vous allez dans ajouter, modifier un jeu de paramètres. Vous faites modifier. Donc ici, je sais plus ce que c'est au début, mais faut mettre Windows Media Video ou Vidéo QuickTime. Bon, c'est plus pour Mac. Faites suivant, 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 suivant. Bon, après, vous pouvez inclure, voilà, comme ils disent, vous pouvez inclure des trucs, tout ça. Faites suivant ici. Ensuite, donc, vous mettez, vous l'enregistrez, donc, sous le nom, bon, c'est pour les tutos. Voilà. Comment? Ensuite, vous mettez enregistrer. Donc moi, vous pouvez le classer dans un fichier. Donc vous pouvez lancer la vidéo après la production donc directement et afficher les résultats de production. Ça sert franchement à rien. Voilà. Donc moi, je décoche tout et voilà. Donc merci d'avoir suivi ce tout petit tuto sur Camtasia, à bientôt.